Allô, chef! Allez, François, je t'adore! Ça va, Grazi? Hey, aïe, aïe. Kevin, je vais m'attaquer sur ta tête! Nathan! T'en manques pas, c'est... Ça coule encore, ça coule encore. Ouais. Ouais, ça coule encore. Allez, pas le choix. Allô, chef! C'est moi! Non, attendez, chef, avant de m'engueuler. Non, mais attendez, c'est pas de ma faute, chef! Oui, je sais bien que ça fait deux jours que vous attendez de mes nouvelles, mais chef, avant de m'engueuler, attendez que je vous raconte, hein, chef. C'est un petit peu de votre faute aussi, hein, tout ce qui m'est arrivé. C'est malin. Je vous avais dit qu'il fallait pas livrer en passant par le rond-point. Ah ben, j'ai été bloqué par les gilets jaunes, hein, chef. Ah oui, je m'emmène avec le camion et il y en a qui me disent, ne t'inquiète pas, c'est un barrage filtrant, j'entends bien, barrage filtrant. Et à mon avis, depuis le temps qu'ils sont là, le filtre est encrassé, je resterai deux jours. Non, sans bouger, mais je n'ai pas laissé la marchandise comme ça sans surveillance, vous pensez bien, hein? Au bout de deux jours, je me suis quand même endormi sur mon volant. Et tout d'un coup, je me fais réveiller, il y a quelqu'un qui vient taper dans la portière, dans la cabine, je sursaute d'un coup, il y a le gilet jaune qui me dit, bon, ça va, maintenant tu peux y aller, je vais remettre en route. Panne de carburant, chef. c'est normal, deux jours comme ça, avec le moteur qui tourne au ralenti pour le chauffage. C'est que ça consomme un Scania, hein, chef, hein? Alors il me dit, allez, tu peux y aller, mais je veux bien, mais ça ne te sera pas. Pourquoi? Je suis en panne d'essence, tu ne vois pas. Hé, tu ne peux pas rester là, hein? Pourquoi? Tu ne vois pas que tu es en train d'empêcher de passer tous ceux qui reviennent pour bloquer les autres. Et où est-ce qu'il est ton gilet jaune? Mais je ne peux pas mettre mon gilet jaune, je suis en train de travailler. Ouais, c'est ça. Et en plus, tu le prends de haut. Mais non, je ne le prends pas de haut. Et j'en peux rien, c'est un Scania. Et qu'est-ce que j'en peux, moi, hein? Il dit, viens ici, c'est un homme. Attends, on va pas se bagarrer. Je veux descendre pour parlementer. Et je vois tous les autres gilets jaunes qui arrivent du rond-point et qui doivent se dire à ce moment-là, il va lui casser sa gueule. Attends, on va aller en renfort. Je me dis, oh là là, ah, avec ma carrure, c'est sûrement pas moi qui vais leur faire peur. Je sors à peine de ma cabine. Tout d'un coup, ils s'arrêtent et ils partent tous en courant avec l'autre. Ah ben, j'étais fier de moi. Je n'avais pas vu que la police chargeait dans l'autre sens, cher. Il y a le chef de la police qui s'amène et qui me dit hey, « Hé alors, tu ne t'étales pas avec les autres ?» Je ne suis pas avec eux. « Comment ça ?»« Ben non, vous n'êtes pas un gilet jaune ?»« Ben non, je suis le chauffeur du camion. » « Comment ça ?»« Je suis le chauffeur du camion qu'elle a. Et qu'est-ce que vous faites sur la route ?» Eh ben, je dis « je suis en panne de carburant. »« Ah ah !»« Où est-ce qu'il a votre gilet jaune ?» Comment ça? Ah ben oui, si vous êtes en panne, mais vous êtes sur la route à côté de votre véhicule, vous devez mettre votre gilet jaune, ça y est, 70 euros d'amende, craque dedans. Ça va aller, ouais. Hey, vous en voulez une autre? Non, ça va, il me dit. Et si vous êtes en panne, il me dit, où est-ce qu'il est, votre triangle? Comment ça, mon triangle? Vous devez mettre votre triangle 50 mètres avant. Comment est-ce que tu veux que je mette mon triangle 50 mètres avant? Il y a 2 km de bouchon, je vais quand même pas aller poser mon triangle sur le toit de la Skoda. Ah, c'est ça, on fait le malin. Allez, 150 euros d'amende. Tu en veux encore une? Non, ça va. D'abord, tu vas remonter dans ta cabine chercher ton gilet jaune. Donc, je suis remonté dans ma cabine chercher mon gilet jaune. Je mets mon gilet jaune, je redescends de ma cabine. J'arrive derrière lui qui est en train d'inspecter le camion. Il y a un jeune collègue qui lui dit, chef, derrière vous, faites attention à un gilet jaune. C'est là que j'ai pris la première giclée de lacrymogène, chef. J'étais là, au secours! Il y a les gilets jaunes qui étaient reculés au rond-point qui disent hey, venez voir, il y en a un qui se fait agresser par la police. On y va, Taillot, à l'attaque! La police qui recule dans l'autre sens.
le gilet jaune qui arrive et qui me dit hey, t'as mis ton gilet jaune, c'est bien. Il est de notre. C'est un gilet jaune comme les autres. J'y mets non, mais je ne suis pas un gilet jaune. Comment ça, t'es pas un gilet jaune? Non, c'est la police qui m'a dit que je vais le mettre, autrement je ne l'aurais pas mis. Ah, c'est ça qu'il me dit. À peine gilet jaune et tu retournes déjà ta veste. Tu commences, je retourne ma veste, mais imbécile, réfléchis. Je retourne ma veste, un gilet jaune, mais que ce soit d'un côté ou d'un autre, c'est toujours aussi jaune, hein, enfin. C'est jaune de tous les côtés, c'est malin. Il me dit, pourquoi tu veux pas venir avec nous autres? Mais je ne peux pas, je lui dis. Je ne peux pas abandonner le camion, il y a ma marchandise là-dedans. Il me dit, qu'est-ce que tu transportes? C'est là que j'aurais dû inventer quelque chose, chef. Mais vous me connaissez, je suis trop honnête, mais j'avais quand même pas lui inventé que je transportais des betteraves sucrières, hein, avec un camion citerne marqué Texaco dessus. C'est presque une provocation, hein, chef. C'est malin aussi de votre part, hein, de me faire traverser tout le pays de Charleroi avec un camion citerne marqué Texaco, ça les excite, hein. C'est comme si je traversais le Borinage avec un camion Jupiler. C'est dangereux, hein? Il y a de quoi se faire agresser. Moi, je trouve que le fioul et le mazout, comme ça, maintenant, on devrait le faire transporter par Securitas, chef. Ou par la Brinks. Ah, ouais, avec des motards devant et derrière. Après tout, ils ont l'habitude de transporter du liquide. Mais, ouais. Ah ben, quand il m'a dit qu'est-ce que t'as là-dedans et que je lui ai dit que c'était 30 000 litres de mazout que je devais livrer à la station-service qui était de l'autre côté du rond-point, comment vous expliquer, chef? Il y a eu un moment de stupeur. Ils se sont tous regardés et à un moment, comment vous dire? Vous avez vu Mad Max? Vous connaissez le film Mad Max? Il en a eu combien, chef, de Mad Max? 4. Eh ben, ce matin, j'ai joué dans le 5e, chef. Il y en a un qui a crié « À l'attaque !» Ils sont montés sur le camion, ils ont ouvert les écoutilles. Oh, bon, je suis parti, hein. Je suis parti, hein. J'ai juste le temps de remonter dans ma cabine pour prendre un jerrycan pour courir à la station-service en me disant « J'espère qu'il restera quand même 2 ou 3 litres de mazout pour que je puisse démarrer dans l'autre sens. » Et je m'amène et je dis à la femme de la station-service « S'il vous plaît, madame, n'auriez pas 4-5 litres, n'importe quoi, pour me dépanner ?» Elle me dit « Mais monsieur, j'aimerais bien, mais ça fait 2 jours que j'attends le livreur, on est à sec sur toutes les peaux. » Et je dis « Je le sais bien, c'est moi. » Eh ben, j'ai recouru dans l'autre sens, hein, chef. Elle m'a tapé dessus. Comme j'ai recouru dans l'autre sens avec mon jerrycan, j'ai dû retraverser le cordon de police. Et il y a le jeune qui fait « Chef, chef, regardez, engin incendiaire !» Je dis « Quoi, engin incendiaire ?»« Cocktail Molotov !» Je dis « Mais non, c'est mon jerrycan !» !»« Comment ?»« Jerrycan ! Ah, tu ricames ! Ricamera bien qui ricamera le dernier !» C'est là que j'ai pris la grenade lacrymogène en pleine tronche, chef. Ah ben, je suis tombé dans le gaz, hein. J'ai été dans le gaz tout de suite, hein, chef. Je ne sais pas comment j'ai fait pour me réveiller juste en dessous de ma cabine, comme ça, que j'étais étendu par terre, avec la police autour, comme ça. Ils m'ont dit, bon, alors maintenant, tu vas nous expliquer. Qu'est-ce que tu transportes là-dedans? Je transporte du mazout, ouais, c'est ça. Il tape sur la citerne, ça fait doum, doum, doum. Il me dit, t'es sûr que tu ne transportes pas de migrants là-dedans? Je dis, des migrants, t'es siphonné. Siphonné, doum, doum, doum. Il me dit, hé, hey, le plus siphonné des deux, c'est peut-être pas celui qu'on pense, hein, qu'il me dit. Hein. Il me dit, t'es sûr que tu ne transportes personne là-dedans? Je dis, ben non. Et tout d'un coup, il y a le jeune qui était monté qui crie, chef, chef, il a des gens à l'intérieur. Je dis, comment ça? Il me dit, tu vois que tu transportes des migrants? J'écoute, je dis, attends, réfléchis un petit peu. Écoute comment est-ce qu'ils parlent, ils étaient en train de crier à l'intérieur. Et si c'est des migrants, ils sont doués pour les langues, ils apprennent vite, hein. T'as déjà entendu un migrant parler l'oualou avec un accent de Charleroi, toi? Il me dit, ils sont basanés, chef, ils sont basanés. Ben, je dis, ben non, ils sont pas basanés, ça fait 10 minutes qu'ils patouchent dans le mazout, évidemment. Ah oui, il restait plus que ça dans le fond, ils n'arrivaient plus à remonter, ça glissait, hein. Heureusement qu'on avait une échelle, on a descendu l'échelle par des écoutilles, ils ont pu remonter, j'ai pu récupérer 2 ou 3 gilets jaunes que j'ai essorés comme ça au-dessus de mon jerrycan pour récupérer 2-3 litres, ou sinon je serais encore là-bas, hein, chef. Voilà ce qui m'est arrivé, vous, vous m'engueulez, il faut pas exagérer, hein, chef, hein, c'est vrai, hein. Ah, ça va, je crois que ça va aller mieux, là, maintenant. Ah ouais, tout ça à cause des gilets jaunes, chef. Quand on pense qu'à la base, un gilet jaune, c'était conçu pour réfléchir... No, today, I just woke up, and I said, no, instead of waiting on the good.